Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Dieu, créateur du ciel et de la terre, parce qu'il a révélé des choses aux petits et non aux sages, nous fait entrer dans la mystérieuse et admirable logique du royaume des cieux. Tout d'abord, quelle chose ? L'objet de la révélation et de l'exaltation est celui-ci, que Dieu le Père a constitué le Seigneur, le Fils Jésus, parce que tout lui a été donné. Et la jubilation continue parce que cette connaissance mutuelle du Père et du Fils et de leur plan est portée à la connaissance des hommes, en l'occurrence des petits. Cependant, la petitesse ne doit pas être interprétée littéralement. Être petit, ce n'est pas être enfantin. La minorité n'est pas un refus d'exercer ses dons et son intelligence. La minorité ne signifie pas être un opérateur superficiel. Mais la petitesse en question dans cet évangile est celle de l'accueil du Christ dans notre vie. L'invitation de Jésus est de nous reconnaître structurellement nécessiteux, physiquement fragile, limité. Fragile parce que nous sommes si souvent fatigués et opprimés. La fatigue humaine, la fragilité de l'homme, la fragilité de l'esprit d'ingratitude qui habite parfois notre vie, la fragilité de perdre espérance et foi devant les vicissitudes de la vie, la fragilité de toujours se plaindre et jamais percevoir les merveilles de Dieu et le bon côté de la vie et de l'instant présent. La fragilité de ne jamais dire merci à Dieu, surtout quand les choses ne marchent pas autour de nous. Oui, nous sommes fragiles, mais jamais misérables. Jamais misérables parce que Jésus, par sa passion et le sacrifice de sa vie, est toujours là pour nous tendre sa main afin de lutter contre ses fragilités. Comme pour dire, la charité de Jésus est un remède efficace face à nos fragilités humaines. Une charité que l'on peut aussi bénéficier au travers des autres qui nous entourent. Dans la formule de profession des sœurs passionnistes de saint Paul de la Croix, il est écrit « Que votre charité, mes sœurs, me soutienne dans ma fragilité. » Nous pouvons paraphraser cette parole. Que votre charité, êtres humains, soutienne notre monde en proie aux conséquences néfastes du coronavirus. Que votre charité, ma famille, mes enfants, mon époux, mon épouse, mes amis, mes frères et sœurs, me soutiennent quand je peine, quand je suis fatiguée et quand je deviens indésirable. Par le doux et humble Jésus, nous prions que tous trouvent du réconfort dans les mains du Tout-Puissant.